Je vous merde. Salut à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans ce nouveau... Aujourd'hui, nous sommes dans Deluded Mind, un jeu d'horreur. Et c'est tout ce que je sais. Where the hell am I? J'ai une question très importante en fait à vous poser. Pourquoi dans tous les jeux d'horreur on commence? Hello Agent Control. Supervisory Special Agent Mary Smith here. If you are listening to this message, we were successful in relaying our message to you. D'accord. We have reason to believe that you are being held against your will, which is why we have a search unit out based on your last GPS coordinates. Ah. It is possible that your communicator signal is being blocked by a jammer. Please try to... Fuck! I have to get out of here. Ok, donc nous sommes dans Deluded Mind, et ce jeu est entièrement traduit en français. Waouh. Ma première note, c'est tellement beau. Bonjour agent Catral, tu ne peux probablement pas vous... Il faut choisir mec, tu me vouvoies, tu me tutoies, tu peux pas faire les deux en même temps. Tu ne peux probablement pas vous souvenir exactement pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi je serai bref. Toi et ton stupide partenaire avez fait irruption dans mon appartement pour m'arrêter. Cependant, vous ne vous attendiez pas à une embuscade. Eh bien, il est trop tard pour toi maintenant. Peut-être que vous devriez mettre des masques à gaz la prochaine fois. Ressentez-vous ce sentiment étrange dans votre tête? C'est juste une petite dose de ma poudre miracle. Si tu demandes où est ton partenaire, il est quelque part à l'administration et se demande probablement où il a laissé... ses doigts. Profite bien de la balade en enfer. Ah, PS. Avez-vous découvert qui a assassiné votre fille Diana à l'époque? Sinon, voici un petit conseil. Le tueur a écrit cette lettre. Sincère salutation, Kevin Range. Le mec, il vient juste de dire, comme ça, au calme, qu'il a tué ma fille, quoi. Cette porte est fermée. Ok, très bien. Faut d'autres trucs. Oh, mais il y a un autre gars à côté de moi. Ok. Faudrait peut-être que je trouve une sorte de lampe torche. Ah ah. J'ai trouvé des clés. Je suppose que c'est les clés. Ma première clé. J'adore les tutos. J'adore les... comment les succès, quoi. Ok, bye. Je suis désolé. Je suis censé être Seros 4.5. Seros 4.5 n'a pas peur de yeux rouges, en fait, dans les couloirs. Ok. Je dois marcher sur le feu? Ok. Dean, wake up. Wake up, come on, wake up. What's wrong? What happened? You collapsed and were out for a few minutes. Did you have that nightmare? Yes. Sorry. I know how hard a loss can be. It's okay. Help me out. We have to arrest that dead agent. Don't forget though, the guy has a potential for violence and handling explosives. Thanks for the information. I almost forgot about that. One more thing, don't open drawers or closet doors, understood? What? Understood. Closet doors and drawers remain closed. Okay, good. Now follow me. Pourquoi? Pourquoi on doit pas ouvrir les portes des câbles des placards? Dean, come here. Use your phone light. Here, into the corner. Oh god. The face is totally made. I'll try to find some ID. In the meantime, let HQ know. Dispatch, can you hear me? Dispatch! Over! Dispatch! Special Agent Cottrell here. Can you hear me? Damn it! There's no reception here! Damn it. We have to get out of here as quickly as possible. What the hell? He's toying with us! We have to find another way out of the apartment. Follow me! Shit! We're done for! Ah! Fuck! C'est un flashback sonore de ce qui s'est passé avant qu'on arrive ici. Et apparemment, l'autre voix, en fait, lui, bah, il lui manquerait ses doigts. Ou un truc du genre, tu vois. N'oubliez pas que si vous voulez que cette vidéo découverte se transforme en let's play sur cette chaîne, il faut laisser une tonne de pouces bleus. Comme ça, moi, je sais que ça vous plaît et je le fais, tu vois. Et si c'est un jeu que j'ai très envie de faire, ça finit sur chaîne secondaire. Ça marche comme ça, man. Hello? D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne secondaire. Ouais, le lien est dans la description.
Et dessus, en fait, en ce moment, je suis en train de finir le let's play. J'ai d'ailleurs terminé le let's play de God of War. Un très, très, très bon jeu. Et je pense que je vais commencer bientôt D3 dessus. Hello! Eh, mais tu sais, graphiquement, c'est plutôt pas mal, hein. Graphiquement, c'est vraiment pas dégueu. Je suis pas sûr d'avoir aimé la scène du couloir de feu. Parce que c'était un peu long. Hein. Si tu commences sans mettre de scénario, c'est pas la peine de nous balancer à la tête juste après, comme ça. On n'a rien demandé, nous. Nous, on est juste là, on veut découvrir, en fait, ce qui se passe dans le jeu. Donc, du coup, voilà, c'est juste ça. Sinon, franchement, c'est vraiment propre. On dirait presque Outlast. Hey, hey. Je ne vais pas mentir. Ok. Et d'ailleurs, un joli dessin. Toute la ville a été brûlée par le soleil. S'il te plaît, Dieu, libère-moi de cette agonie. Je ne peux plus le supporter, j'ai besoin d'aide. Personne ne m'aide. Pourquoi personne ne m'aide? S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, libère-moi, s'il te plaît. Je vais sortir d'ici. Je veux sortir d'ici. Je ne suis pas malade. Je suis guéri. Je peux sortir d'ici. S'il te plaît, personne ne me croit. Ils me font mal. Nous sommes dans une sorte d'asile? Il y a des gens, en fait, apparemment, qui lui font subir des préjudices. J'ai besoin d'une clé pour cette porte. Bah, maintenant que je parle, quand je parle du loup, la clé, elle apparaît, tu sais, elle te fait... Je suis là, Cérus! Coucou! Ça va? Ouais, ça va, ça... J'ai fermé la porte, ok. Bonjour à toi, couloir. Je suis sensible, ok? Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu d'horreur. Ça fait une semaine, au moins. Depuis la dernière vidéo, en fait. Voilà, c'est vrai que maintenant... en ce moment, les vidéos, elles arrivent moins vite. C'est normal. La vie réelle. La vie réelle is a bitch. Donc, du coup, j'ai vraiment pas le choix. Patientez. Cérus Unleash, bientôt. Cérus Unleash, en fait, ça va être... What the hell was that? Genre 2 ou 3 vidéos par jour, tu vois. Ou pas, hein. Ok, 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 ok. Deux vidéos. Where am I? Je sais pas, j'ai été aspiré. Ah, mais je peux jouer, en fait. Tu sais quoi, j'étais en train... En mode... J'étais en train d'attendre, tu vois. Et en fait, la porte était... Enfin, je veux dire, le temps de chargement était fini, tout ce que tu veux. J'aime pas cet hôpital. Tu sais, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Hector aussi. Hector, c'est un jeu que j'avais fait genre en 2015, en 2016, là-bas, tu vois, à l'époque de Cérus 1.0. C'était loin. Ok, très bien. On va devoir aller ici, je suppose. Je me méfie. Je méfie de ça. Robert should be there. Ooh. Access denied. Ok, merci madame. I have to find a way to get in. Et écoutez, vous savez quoi? Au niveau du jeu d'acteur, c'est pas si mal. Hein. Un tuyau, deux, je sais pas, trois caisses, quatre. Il y a un truc avec les tuyaux? Ces tuyaux-là? C'est un jeu d'énigmes ou pas? J'en sais rien en fait. Écoutez, on va avancer. Je veux une lampe torche, please, c'est possible. Custody. Ok, c'est une sorte de prison, tu vois. Porte bloquée. Oh boy! Y a rien? En tout cas, je vois rien, donc du coup, c'est pas forcément qu'il y a rien, hein, c'est juste que je vois rien du tout. Ici, on dirait qu'il y a... Bah, je peux ouvrir toutes les portes, quoi, tu sais, au calme. Vraiment, là, j'ai l'impression d'être dans Outlast. Password. Pourquoi je peux venir ici, du coup, si je peux rien interagir? Peut-être qu'il y a quelque chose, hein, mais je le vois pas. Hein. S'il y a quelque chose, en fait, ça devrait être surligné ou... Ah, peut-être que je peux... Bah, même pas. What?
Ok, on va continuer d'avancer. Je me suis pris la porte, mais elle m'a traversé carrément là. Ici, j'ai un digicode. Dans le doute. Apparemment, non. On sait jamais, hein. Ça peut marcher. Eh, hey, vous savez quoi? T'as une chance sur deux que le digicode, il fonctionne. Regardez ça, il y a un symbole bizarre, on dirait une sorte de 3 ou un Z peut-être. Là, je regarde actuellement en fait dans les différentes... Ah. Ici, il y a un document. Docteur Parker, bonjour. Après l'application du liquide Tétos au patient Ryan Farrow, pendant une semaine, les effets secondaires suivants sont produits. Hémorragie intracérébrale, nausée, paralysie agitante, pharyngite de globus. Aucun autre effet secondaire n'est connu à ce stade. Veuillez arrêter immédiatement d'utiliser le liquide Tétos afin d'éviter que d'autres patients ne courent un risque. Ok, monsieur Alex. Très bien. Ici, il y a un 4. Donc c'était bien un 3 que j'avais vu tout à l'heure. Ah, mais c'est peut-être le code du digicode, hein. 4, dans cette salle. J'ai vu 4, 3. Dans les cellules, c'était écrit 4. Dans les cartons, c'était écrit 3. Donc, du coup, ce qui me laisse penser qu'il y a encore un code dans une salle ici. Et je suppose que... ici, il doit y avoir un code aussi, tu vois. Regardez bien avec vos yeux de lynx, les amis. Est-ce que vous voyez un chiffre quelque part qui semblerait être affiché, tu vois? Si tu regardes sur le côté, comme ça, en plissant les yeux, éventuellement. C'est les douches. Attends. Tu sais quoi, si j'ai une lampe torche et que je ne savais pas, ça va me faire chier. Effet secondaire, non. Alors. Ah ah! Deux! Bah, là j'ai un 2. Attends, comprendre. Dans le 2, j'ai 2. Sur le 3, j'ai 3. Et sur le 4, j'ai 4. C'est un peu bizarre, non? Ou alors c'est un 8? Non, c'est un 2. Ah, peut-être que c'est celui-là, le tuyau, d'ailleurs. Parce qu'il y a plusieurs tuyaux, finalement. Attends, cette porte est bloquée. T'as plusieurs tuyaux qui se ressemblent. Donc, peut-être que... Et ici, j'ai 4. Ça me fait 4, 2, 3, 4. Eh ! Eh ! On dit quoi ? On dit quoi? Seros 4.5! Ouais, c'est mon nouveau symbole de Seros 4.5, hein. Je sais pas pourquoi c'est sorti ça. C'est une sorte de dab, mais à moitié, tu vois. C'est pas vraiment un dab. C'est... On va dire c'est l'évolution, tu vois. C'est le dab du futur. C'est comme ça maintenant qu'on dab. C'est comme ça que maintenant vous dabez, les amis. Vous avez pas le choix, maintenant. Je vous donne plus le choix, en fait. Quand vous arrivez, vous faites un truc vraiment classe et basta. Wouh! Cherchez pas. C'est trop classe. Je m'étonne moi-même. Cher Mr. Elf, je suis ravi de pouvoir vous dire que notre département de recherche a développé avec succès le liquide Tétos. Après l'ingestion du liquide Tétos, nos patients n'ont plus besoin d'aliments solides, ce qui signifie que nous pouvons y réaliser des économies de 400 000 $ par mois en ce qui concerne les dépenses alimentaires. En raison de cette énorme quantité d'économies, je voudrais demander la permission d'utiliser le liquide Tétos. Je vous transmettrai les résultats de recherche documentés. Décision. Les directeurs d'asile Hillstone ont discuté du projet Tétos et sont venus à la conclusion suivante. Le liquide nutritionnel développé dans le cadre du projet Tétos peut désormais être administré à des patients par des médecins spécialistes. En tant que chef du projet, rachat, résident actuellement, assumera l'entière responsabilité. Ok, très bien. Il y a tout le monde qui a signé, etc. Donc, apparemment, il y a un docteur qui dit que le liquide Tétos est pas très bon, il y en a d'autres qui disent que le liquide Tétos, il faut l'utiliser. Je veux dire, là, nous sommes vraiment dans... une situation, en fait, un peu compliquée, tu vois. Examination à Rome. Hello?
Pourquoi j'ai entendu mon cœur battre? Ici, il y a sûrement des trucs. En tout cas, il y a des chambres partout. Qui se laissent penser... Mais des chambres vides, surtout. Hello? Bonjour! Oui, plaît-il? Les bruits random, là. C'est juste pas cool. Putain, ouais, putain, franchement, j'ai testé vraiment au hasard pour voir s'il y avait une porte. Hein. T'es sérieux? J'aurais essayé longtemps, tu vois. C'est ça, c'est embêtant. Je veux une lampe torche, please! What the fuck? Est-ce que c'est... Mais ils sont sérieux, là? Ah, j'ai utilisé ma carte. Maintenant, je dois utiliser le pavé numérique. Est-ce que c'est le même code que tout à l'heure ou pas? Chère Madame Reeve, nous avons équipé le système de verrouillage de porte de sécurité de l'administration avec un scanner rétinien pour empêcher l'accès non autorisé. Pour ajouter la rétine, scanne la base de données, procédez comme suit. Insérez votre carte Arpus, entrez votre mot de passe personnel, regardez dans l'objectif de la caméra avec votre œil droit et attendez 3 secondes. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Donc j'ai inséré la carte puce. Maintenant je dois entrer mon mot de passe personnel. Et ensuite... Mais j'ai pas l'œil de la femme. Bonjour Dr. Walker. Le patient Caleb mort affiche un comportement inhabituel aujourd'hui. Il a crié 3 personnes. Il a crié 3 personnes, 3 monstres, à plusieurs reprises, toutes les 5 minutes. 3, 3, 5, 2. Ok. Donc c'est le truc en gros, tu sais. Il a crié 3 personnes, 3 monstres, à plusieurs reprises, toutes les 5 minutes. Bien qu'il prenne ses médicaments régulièrement, son état semble s'aggraver de jour en jour. Devrait-il être prescrit 2 comprimés anti-anxiété par jour? Il convient également de mentionner que le patient a commencé à marcher en arrière, régulièrement dans sa cellule. Donc ça fait quoi? Ça fait 3, 3, 5, 2. C'est ça, hein? 3, 3, 5, 3, 3, 5, 2, en arrière. 2, 5, 3, 3. C'est limite flippant, en fait, cette façon de trouver les choses. The Beast Inside était légèrement plus flippant, voilà, tu vois. J'ai ouvert quelle porte, du coup? Ah. Je suis pas sûr d'apprécier ce rire, monsieur. Il fallait juste cliquer sur le digicode, t'es sérieux? Je suis revenu en arrière comme un imbécile. Bon, là maintenant, je trouve, personnellement, hein, avec la lampe torche, et que le courant est coupé, je vois mieux, en fait. Donc du coup, jokes on you, hein, monsieur qui rigole très fort, là. Jokes on you, ok? Oh boy. Mais je suis censé faire quoi? Je peux fuir, cacher, ou un truc du genre? Ok, non, bah, rien du tout, en fait. C'est juste une ombre, c'est rien du tout. Tafle, passeros, toutes les portes sont ouvertes, apparemment. Donc, là, le principe sera, je suppose, de ne pas parler sur le bout de la langue, mais de retourner à la porte où il y avait le scan rétinien, tu vois. Quoi, il y a une poupée voodoo géante ici? Je suis où, concrètement? Il y avait des jeux depuis le début dans ce jeu? Enfin, des jeux. Des jouets, je veux dire. Je me rappelle pas d'avoir eu des poussettes ou quoi que ce soit. Rigola! Stop that, please! Eh, mais non, mais j'ai l'impression qu'ils ont changé le layout, là. Je ne peux plus ouvrir cette porte, il me faudrait une clé désormais, ou alors c'est juste verrouillé, tu vois. Ah, mais là, je peux rouvrir cette porte, d'accord. Mais assez embêtant, parce que techniquement, je pouvais revenir par là. Et je pense qu'ici, il y avait un chemin, tu vois. Non? Je me trompe? Teddy! Aide-moi, Teddy! Je suis dans la merde, là! Teddy s'en bat les couilles. Il me regarde même pas, tu vois. Il a les yeux fermés. Il était en mode... c'est rush! J'ai trop peur dans le noir! J'ai envie de te dire, Teddy, que... Il y a des chances que moi aussi, j'ai peur dans le noir, tu vois. Et je pourrais pas faire grand-chose pour te sauver par rapport à ça. Je suis juste bloqué dans cette map. À tourner en rond. Et à regarder, je suppose, partout. Je vais chercher une clé, je suppose. Je vais chercher une clé. Je pense que c'est ce que le jeu veut que je fasse. Le patient se plaint de maux de tête intenses et unilatéraux se propageant dans les dents et provoquant des nausées.
En raison de la détérioration, le patient a été soumis à une imagerie par résonance magnétique. Mais Jamie, la résonance magnétique n'est-elle pas nocive pour la santé de ce dé... Mais bien sûr, Fred! Bon, bref. Je m'excuse. Les résultats de l'imagerie par résonance magnétique n'ont montré aucun changement significatif dans la structure du cerveau. Le patient a été transféré dans une cellule en caoutchouc surveillée par vidéo pendant 2 semaines pour minimiser les conséquences d'un comportement auto-agressif. Les microphones placés dans la pièce étaient capables d'enregistrer car le patient parlait constamment d'une boîte en carton appelée Carl. En raison de la demande constante pour cette boîte en carton, nous avons décidé de placer une boîte avec l'inscription K-A-R-L dans la cellule. Les plaintes physiques du patient semblaient très bien répondre à la mesure. Cependant, il n'a pas contribué à la récupération des plaintes psychologiques. Je suis censé comprendre quoi par rapport à ce texte? Est-ce que je dois trouver une cellule où il y a du caoutchouc partout et éventuellement enlever la boîte Carl dedans? Ou alors, est-ce que Carl deviendrait mon ami par hasard? Genre, un compagnon de cube? À la portale? Je ne saurais vous dire. Je crois que j'entends mon cœur battre à l'arrière de ma tête, m'indiquant avec émoi la perdition de mon esprit et de mon âme. Oserais-je sans cesse m'aventurer dans ce lieu sordide, à la recherche potentielle d'une clé ou d'un objet quelconque qui puisse aider à mon avancée? Un cheval de bois! Et une tête de cheval de bois, tous deux posés là, me regardant incessant. Enfin bref, on a compris quoi. Je vous merde, vous développeurs du jeu, hein? C'est une fausse araignée, ok? Regarde-moi cette tête d'araignée, tu crois que c'est une araignée qui est censée me faire peur? Bah la clé était juste là. Bref, je crois que je me suis potentiellement... Wow, non, ouvre-toi, please. Peut-être tu cherches pendant une demi-heure, tu trouves rien, et là, bim, tu trouves tout. C'est dingue quand même. C'est au moment où tu t'attends le moins, que tu réussis le plus. Maurice... Karem. Hello! Hi! Hey! Ok. Il avait l'air sympa. Ok, je vais l'appeler Billy. Billy Bob. Tu vois, Billy Bob. Toi et moi, je pense qu'on va fonder une très grande amitié basée sur apporter son xylophone à Dolly. Bah, je sais où est le xylophone. Mais je savais pas que je pouvais le porter, tu vois. Mais ça tombe bien, tu vois. Ça tombe bien, comme j'ai parcouru ces pièces en fait des dizaines de fois pendant tout le temps où j'étais en train d'essayer de... trouver cette foutue clé? Bah désormais, c'est chose faite. Je peux, sans problème, trouver les objets sans même réfléchir. Tu vois, regarde, c'est juste là, tu vois. Voilà. Dolly, c'est lui? C'est toi, Dolly? C'est pas toi, Dolly. C'est qui, Dolly? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est ce foutu Dolly? Dolly, c'est toi? Non, c'est pas toi. Dolly! Non, c'est peut-être pas toi. Dolly, c'est le dé? Non, c'est pas le dé. C'est toi, Dolly? God damn it! Tu peux pas surgir comme ça et... Ah, c'est lui, Dolly. Ok, d'accord. Voilà, Dolly a son xylophone. Et lui, on va le laisser tranquillement juste ici. Voilà. Très bien. On lui dira merci pour cette peur sans... Hein? Bref. Ouais, je suis fatigué, Billy Bob! Je t'ai nommé Billy Bob, j'aurais pas dû. Billy Bob, c'est un méchant. Punaise. Qu'est-ce que tu veux encore? Mettre les dés sur mon cheval. Oh, mais t'es relou, toi, la porte, là! Mais t'as... Mais sérieux, quoi. Mais c'est pas grave, je sais où se trouve le dé, je sais où se trouve le cheval. Il suffit de mettre le dé sur le cheval, c'est pas un problème. Je suppose que l'après, il faudra mettre un truc sur le Teddy, tu vois, je veux dire... Hein, juste après, je vais aller voir Teddy directement. Hein, éventuellement, je suis sûr qu'il... Toi, tu vas arrêter tout de suite les frais, hein? Moi, je te dirai que ça va pas le faire, ok? Je pense qu'il faut remettre Teddy dans le landau.
Tu paries combien? T'es sérieux, toi? Tu disparais pas. Tu restes là, comme ça. Moi, j'aimerais bien que tu te casses, en fait, parce que tu fais peur. Non, lui, c'est Dolly qui joue... Dolly joue du xylophone. Ok, d'accord. En même temps, tu lui as apporté son xylophone, c'est bien pour qu'il joue avec, hein. C'est pas pour qu'il fasse rien du tout, tu vois. Le dé sur le cheval. Ok, pas ça, c'est fait. Ça. Non. Je vais retourner voir le Teddy. Je suis sûr qu'il faut faire un truc avec... Cette porte a toujours été ouverte? Oui, bah oui, c'est la porte par laquelle je suis rentré depuis le début, en fait, forcément. Teddy n'est pas là, Teddy est dans l'autre salle. Non, faut rien faire avec Teddy pour l'instant. Je vais juste retourner à la porte et regarder ce qu'il veut que je fasse. C'est là. Je vais finir par me faire avoir par le truc, espèce de mannequin qui est en plein milieu, tu vois. Bibob, finalement, je lui fais pas extrêmement beaucoup confiance, tu vois. À un moment donné, son petit visage souriant, là, il va se retourner contre moi et il va me faire... Ha! Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Mettre Monsieur Peebles dans la poussette. Eh, hey, putain. Eh, hey, je l'aurais, genre, pas parié, tu vois. J'étais sûr qu'il y avait un truc avec Teddy. Et il s'appelle Monsieur Peebles. À moins que c'est lui, Monsieur Peebles. Non, c'est pas lui, Monsieur Peebles. Il veut faire un truc... Mais en fait, tu sais, il est très strict, hein. Il est très strict, là. Il me laisse pas récupérer les trucs avant que je le vois, tu vois. Il m'a dit, hey, eh, toi, attention, hein. Tu me la fais pas à l'envers, toi, ok? T'arrives, tu fais les trucs dans l'ordre. Parce que c'est ce que j'ai demandé. Ok, c'est fait. La musique a changé. Tout d'un coup, on va dire qu'on a fait une grande avancée. Donc techniquement... Alors ça, c'était pas cool, ok? C'était tout sauf cool. Moi, je te mettrais un 0 sur... Monsieur Billy Bob! Où est-ce qu'il est passé? Oh non, je crois que Billy Bob, il s'est retourné contre moi. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à bombarder cette vidéo de pouces bleus et je ferai la suite le plus rapidement possible. Mais cette fois-ci, c'est promis, hein. C'est pas comme certaines autres vidéos que j'ai dit et je vais... Seras out.